Heureux de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lundi 20 juin 2022, c'est un honneur de vous retrouver. Nous parlons de deux grandes questions. Le premier sujet tournera autour de Matata Mponyo et son statut actuel. Qu'est-ce que l'on retient? Est-ce que c'est une prime à la délinquance ou alors c'est de l'acharnement, tout simplement? On en parle tout au long de cette émission. Le deuxième sujet, ça sera l'Est de la République. Qu'est-ce qui va se passer avec le mandat du président de la République? Mesdames et messieurs, je reçois deux invités, Maître Richard Mpinda, avocat au barreau de Kinshasa Matete et communicateur de l'Union Sacrée. Et c'est à ce titre que je le reçois aujourd'hui, pas en tant qu'avocat, mais plutôt en tant qu'analyste politique, communicateur. On en parlera aujourd'hui de la question. Mais aussi Manix Iyenda-Boufaya, qui est cadre du LGD. Avec les deux, nous espérons faire un débat de hauteur. Alors, là, tout de suite, je commence avec Maître Mpinda. Comment allez-vous? Je veux bien, je salue mon co-débatteur, je vous salue pour cette occasion. C'est une première de Merci, pouvoir c'est être la première fois, oui. sur votre plateau. Je dis un plateau que j'ai toujours envié Oh, d'y merci. être, à Merci. cause de non seulement du décor, parce que le décor il est à la hauteur, mais aussi de la qualité des débats par moment. Merci. Et aussi, je comprends que ce qui fait la qualité de débat, c'est aussi la teneur de la personne qui présente les émissions, les différentes émissions sur ce plateau. Et je profite aussi de cette occasion ici parce qu'à un moment donné, puisque j'ai cherché comment y arriver, vous avez, comment dire, lancé un débat, un défi à qui voulait par rapport à la question des Matata Mponyo. J'ai OK. vu certains se Ah, présenter ici, et d'accord. plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, du retour de Joseph Ah, Kabila. OK. J'ai vu certains se présenter ici au nom Du FCC. non, je dirais mieux au nom de Monsieur Némi Mouilania. Oui. Voilà. J'ai demandé à me retrouver avec ces mêmes personnes. J'entends dire qu'ils sont portés disparus parce que j'allais démontrer que l'on n'avait pas le droit de revenir après avoir consommé son seul mandat, tel que, comment dire, Joseph Kabila l'a fait et au terme de la Constitution. Et aussi essayer un peu d'éclairer l'opinion par rapport à certaines confusions lorsqu'on évoque le droit comparé, pendant que le droit constitutionnel congolais avait évoqué la question, elle l'avait déjà réglée. Donc je pense qu'aujourd'hui, en face de Manique. Manix, un ami, je pense que nous aurons un débat à la hauteur des attentes de ceux qui veulent, qui aiment la science, et je pense que nous pouvions nous attarder là-dessus. Merci beaucoup, Maître Pinda. Je rappelle que moi, c'est un grand honneur de te recevoir pour la Merci première fois. beaucoup. J'ai suivi plusieurs de vos vidéos Merci. sur Internet. Je me dis, quelle pertinence, c'était vraiment très bien. Merci Et beaucoup. avec, quand vous expliquez la question de l'Est de la République, la genèse et OK. tout ça, ben, la rhétorique, elle est très bonne et je crois que c'est très profond. Et puis, vous rencontrez aujourd'hui Iyenda Boufaya. Alors, comment allez-vous, Manix? Manix, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes un habitué de cette émission d'ailleurs. Comment allez-vous? Ça va très bien, Christian Bossembe. Merci une fois de plus pour cette invitation. Moi, j'ai toujours considéré votre plateau comme comme un réceptacle des idées républicaines, comme un temple de la démocratie, comme la voix de son voix. Et nous venons ici, effectivement, pour édifier notre peuple, pour apporter des vraies informations par rapport à la réalité socio-économique, sociopolitique de notre pays. Je voudrais à l'occasion profiter, peut-être solliciter un petit protocole d'accord par rapport à ce débat. Je suis vraiment très prêt pour un vrai débat avec mon co-débatteur, Richard Pinda, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, surtout en ce qui concerne sa dextérité intellectuelle, ses interventions dans le débat, les débats politiques. Mais je voudrais pour ce débat un débat de politesse, un débat de tolérance, un débat de respect mutuel, un débat tout à fait démocratique. J'en regrette amèrement d'ailleurs, parce qu'il a même évoqué cette sollicitation d'un débat pour le retour de Joseph Kabila. Malheureusement, cela ne figure pas dans la thématique du jour. Mais sinon, je suis très prêt pour ce débat-là, ces débats juridiques autour du retour ou pas de Joseph Et Kabila, vous êtes du côté? conformément. Pardon? Vous êtes du côté? Il Non, peut mais revenir. Joseph Kabila revient du point de vue de la Constitution. Très Et bien, on en ici, parlera un autre jour, ici, comme je ce n'est pas le voudrais sujet peut-être d'aujourd'hui. parler en tant que juriste, pas juriste pénaliste, pas juriste d'une autre branche de droit. Ici, je parlerai sur cette question en tant qu'expert en droit constitutionnel. Très bien. C'est bien, alors on en parlera un autre jour, mesdames et messieurs. L'actualité, tout de suite.
Matata Mponyo échappera-t-il à la justice? C'est depuis le 20 mai 2022 que l'ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo a quitté Kinshasa pour les États-Unis d'Amérique. Il est parti au pays de l'oncle Sam pour soi-disant répondre à une invitation du secrétaire général de l'ONU. Mais Matata Mponyo est toujours dans le collimateur de la justice congolaise. L'homme à la cravate rouge est toujours poursuivi pour détournement de près de 200 millions de dollars alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Lui qui croyait être sauvé par la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur son dossier, Matata Mponyo est de nouveau traîné devant le parquet près de la Cour de cassation. D'ailleurs, vous le savez, le procès a démarré le lundi 13 juin dernier. Suite à son absence, la composition a décidé de renvoyer la cause le 11 juillet prochain. Alors, Matata échappera-t-il à la justice de son pays? En tout cas, tous les yeux sont rivés autour de cette question. Mesdames et messieurs, c'est la grande question qu'on se pose. La personne que vous voyez sur les images, c'est M. Matata Mponyo Mapon, Premier ministre de ce pays, tenant un record de longévité à ce poste de Premier ministre. Alors, il est aujourd'hui aux États-Unis. Manix Yenaboufaya, puisque vous êtes cadre du LGD, le parti cher à Matata Mponyo, comment va-t-il? Matata Mponyo se porte très bien. Il est aux États-Unis, comme vous l'avez indiqué dans le prologue de votre présentation de la thématique même. Il est aux États-Unis pour de raisons de contact politique et cela a été signifié justement à travers les canaux officiels du parti et même son tweet lui-même en tant que concerné. Mais aussi, il a profité à l'occasion pour le contrôle médical, pour le soin de santé, parce que vous savez, M. Matata a été à une période empoisonné et il a profité à l'occasion effectivement pour suivre dans un délai aussi précis, son contrôle médical, et dans si peu de temps, M. Matata reviendra. J'ai entendu dans votre présentation de la thématique, vous avez signifié que la Cour a fait le renvoi à la date du 11 juillet à cause de l'absence de M. Matata, ce qui n'a pas été le cas. Nous étions là, en pleine audience, à la Cour de cassation. La Cour elle-même, elle a reconnu pour n'avoir pas fait la citation à prévenu. Parce que vous savez, la citation à prévenu, c'est cette notification en forme authentique qu'on donne afin d'informer au prévenu sur l'ouverture de l'audience. Mais la Cour, elle a reconnu qu'elle avait atteint Grobler, qui était là, dans la salle. Elle a atteint également Kitebi, mais pour le cas de Matata, la Cour n'avait pas atteint M. Matata. Or, nous tous, nous savons, et heureusement que je suis en face d'un praticien de droit, avocat de surcroît, tous nous savons, lorsqu'on veut notifier un prévenu, il ne suffit pas que sa présence soit démise. Il faut carrément aller dans sa résidence, et surtout que la résidence de M. Matata est connue de tous, déposer la lettre, même quand c'est la sentinelle ou encore le garde de M. Matata reçoit la lettre, cela suppose que M. Matata est déjà atteint. Mais malheureusement, la Cour a reconnu sa faiblesse, mais seulement on ne sait pas pourquoi la Cour n'a pas atteint M. Matata, alors qu'il avait toutes les possibilités pour atteindre Matata à travers cette citation. Mais peut-être, moi, la question ici, c'est que pourquoi il traîne long, pourquoi il prend beaucoup de temps aux États-Unis? Est-ce des questions seulement de santé ou c'est un exil sans dire le nom? Vous allez réaliser ensemble avec moi, ça fait pratiquement plus d'une année que M. Matata a été interdit, non seulement d'aller à l'étranger, même de se déplacer à l'intérieur du territoire national. Ça fait pratiquement une année. Une année pour une personnalité aussi importante, une personnalité politique comme M. Matata. Je pense que lorsqu'il obtient cette occasion d'aller à l'étranger, bon, c'est vrai, il est maintenant aux États-Unis, c'est aussi pour des raisons de contact politique, je l'ai dit tantôt, mais aussi pour profiter effectivement à suivre son contrôle médical. N'oubliez pas que M. Matata a aussi une famille aux États-Unis et donc il a profité effectivement, surtout qu'il a été interdit pendant toute une année pleine de ne pas se déplacer ni à l'intérieur du pays ni encore à l'extérieur. Et donc cela peut se justifier dans ce sens-là, mais M. Matata est prêt pour revenir, prêt pour affronter la justice, parce que le collectif des avocats de M. Matata, il travaille déjà. Ah, il est prêt à affronter la justice? Non, ça évolue quand même, ça change quand même, parce qu'avant c'était de l'acharnement, on dirait, on n'en parle plus. Non, mais en ce qui concerne l'affrontement à la justice,
Monsieur Matata a toujours affronté la justice. Je pense que vous ne serez pas amnésique sélectif pour oublier ce jour où Matata avait accepté de recevoir l'invitation de la justice, alors qu'en ce moment-là, il était encore à l'étranger. Il était revenu parce qu'il estime que ben, voilà, la justice peut revêtir sa casquette d'indépendance. Je peux bien affronter la justice. Il a toujours affronté la justice. Très bien. La question de l'acharnement politique, c'est une autre question, c'est un autre volet de fait qui entache le dossier, parce que sur le dossier Matata, nous avons remarqué une série des irrégularités, des entorses à la Constitution et des non-respects même des procédures pour effectivement parler d'un état de droit, d'une justice pour tout ça, parce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, comme vous le savez, vous ne pouvez pas accéder dans le fond d'un dossier sans passer par la passerelle que nous considérons comme une condition sine qua non pour le juge, cette passerelle qu'on appelle le procédure. Et donc, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans le dossier Matata, que ce soit les procédures à la matière, d'abord en ce qui concerne l'arrestation de M. Matata, tantôt sous le statut d'un Premier ministre, cette procédure n'a pas été respectée conformément aux prescrits de la Constitution. Et aujourd'hui, on tombe pratiquement dans une sorte de cacophonie judiciaire, je dirais même un forcing judiciaire suivi d'un dictat politique dont les animateurs sont connus et l'intention même politique est très connue, parce que ici nous pensons que l'intention astucieuse de ceux qui détiennent les bâtons de commandement de la République est celle d'écarter Matata carrément à la course électorale, parce que le bilan de Matata, les discours de Matata, l'actif des Matata dérange le régime actuel. Les bilans de Matata. Effectivement, okay. Le bilan de Matata dérange les régimes actuels et même son parcours, son actif, parce que Matata a assez d'actifs dans son passage, surtout en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Très bien. Alors, vous avez 6 minutes. On va essayer de donner les mêmes temps d'antenne à Maître Mpinda. Maître Mpinda, c'est la même question. Matata se trouve à l'étranger, ça fait plusieurs temps, il est parti, il ne revient plus. Il ne revient pas encore, pas plus, mais bon, qu'est-ce qui se passe exactement? Manix a parlé, rencontrer Manix dans ce moyen. Ok, merci. Je pense que ça sera le cas. Je vous concède le fait que nous voulons un débat respectueux, un débat républicain, à la hauteur de la science de notre question ici. Manix, il parle un bon français. Hein. Oui. Par moments, c'est intimide. Alors, lorsque c'est intimide, on se pose la question de savoir quel est le contenu de ce qu'il dit. Il a prétendu un régime dictatorial, il a prétendu qu'il y a eu des vices de procédure quant à la qualité des Matata Mponyo, mais il n'a pas évoqué un seul élément qui démontrerait tout ce qu'il est en train d'avancer. Et je voudrais ici attester un fait. Lorsque vous dites qu'il est disposé à affronter la justice, on ne se construit pas un bon cœur pour s'y cacher lorsque on vous poursuit par la justice. C'est qu'il démontre déjà l'intention de frauder. Et ici, lorsque vous dites qu'il est invité à New York pour éventuellement répondre à des contacts politiques comme il nous l'apprend, et pourtant c'était pour une invitation bien précise, et c'était pour 5 jours. Et aujourd'hui, il est au-delà. En principe, il devait déjà revenir. C'est-à-dire que cela démontre à suffisance qu'il y a fraude dans son comportement et qu'il démontre insuffisance, parce que moi, je l'ai dit, Matata Mponyo est un potentiel criminel dont la place est en prison. Et ici, on peut évoquer, prétendre les statuts, nous y sommes éventuellement pour le démontrer à suffisance que Matata Mponyo doit être traqué et éventuellement répondre de ces actes-là. Pourquoi? Parce que la constitution dont ici nous avons en République démocratique du Congo, nous allons le démontrer, qui est à même de pouvoir traduire Matata Mponyo et qu'il réponde de ses actes. Alors, je voudrais revenir sur une question qui a été évoquée tout à l'heure, parce qu'il parle de la saisine par citation directe, il dit la faiblesse de la justice et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Lorsqu'on parle de la citation a prévenu, on voit l'œuvre du parquet, parce qu'ici, c'est le parquet qui poursuit. C'est-à-dire que le parquet est allé devant la cour de cassation pour poursuivre Matata Mponyo. La cour vient éventuellement, parce que nous avons, il faut comprendre aussi comment est constituée la cour. La cour est constituée d'une part d'un service administratif qui est composé des greffiers et tout ce qui va avec, et ces services administratifs posent des actes. C'est-à-dire que ici, la cour se pose la question de savoir s'il y a eu régularité de la procédure vis-à-vis des Matata Mponyo. On constate dans le dossier qui est présenté à la cour que Matata Mponyo n'a pas été notifié. C'est ainsi que l'on renvoie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste parce que nous sommes dans un état de droit que l'on commence, pour ne pas donner l'impression aux autres que nous sommes dans un acharnement, l'on régularise la procédure pour y revenir et éventuellement évoluer avec cette affaire de Matata Mponyo. Je voudrais ici poser des prémices. Vous savez, pour arriver à comprendre ce qui se passe réellement avec la Cour constitutionnelle, il faut retourner, il faut poser des préalables. Nous avons ici, en face de nous,
une personne, Matata Mponyo. Matata Mponyo a exercé des fonctions. J'ouvre une parenthèse pour dire, ce n'est pas vous qui êtes poursuivi, ce n'est pas moi qui êtes poursuivi, ce n'est pas Manix Yenda qui est poursuivi, c'est Matata Mponyo. Mais pourquoi? Parce que Matata Mponyo a exercé des fonctions publiques, comme il l'a dit. Il a dit qu'il a, comment dire, un bilan élogé, je le lui concède, mais c'est en vertu de ces bilans élogés qu'il a un devoir de redevabilité. C'est parce qu'il a exercé des fonctions qu'il doit en répondre. S'il y a une grief, c'est-à-dire que l'État, à travers le parquet, constate qu'il y a eu des actes qui ont été posés et que ces actes voudraient... L'État veut avoir des explications. Et ici, l'État est en droit de s'acharner. L'État est en droit de rendre des comptes. C'est-à-dire que vous avez géré la Rose Publica et que vous êtes appelé à expliquer comment est-ce que cela a été fait. On l'invite à répondre de comment il a géré dans l'affaire Buganga Londo. C'est tout à fait normal, ça n'a rien à voir avec la politique. Matata Mponyo, Premier ministre. Il faut le comprendre, puisque lorsque vous lisez la Constitution de la République, en l'article, je crois, 160... j'ai laissé ma Constitution, je crois, c'est pas grave, 164, où il dit la Cour constitutionnelle et les juges pénales du Premier ministre, du Président de la République et du Premier ministre, tous les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ici, il y a un problème. Nous avons suivi l'arrêt Kalouba, qui nous a donné l'impression qu'un Premier ministre ne pouvait pas être poursuivi. Je le lui concède. J'aurais souhaité qu'on puisse attarder plus là-dessus pour démontrer à suffisance que cette Cour constitutionnelle peut revenir sur cette question. Allez-y, il vous reste une minute. Une minute. Oui. Voilà. Matata Mponyo, en tant qu'ancien Premier ministre, peut-il être poursuivi? Non. Matata Mponyo, en tant que Premier ministre en fonction, au moment de la commission de l'infraction, puisqu'il y a une incise ici, au moment de la commission de l'infraction, peut-il être poursuivi? Oui. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que, ici je me référais tout le temps à son avocat, le professeur Nyabirungu Mwenesona. Le professeur Nyabirungu dit ceci, qu'en vertu du principe de la cristallisation de l'infraction, ce qui voudrait tout simplement dire que l'on doit se ramener, on doit se reporter au moment de la commission de l'infraction. Lorsqu'on se rapporte au moment de la commission de l'infraction, on se pose la question de savoir qui est Matata Mponyo. Puisque le statut porté par Matata Mponyo, aujourd'hui d'ancien Premier ministre, ne peut pas, ne connaît pas d'attribution en ce qui concerne une juridiction à même de pouvoir le poursuivre. Parce qu'il faut prendre Matata Mponyo dans ses divers statuts. C'est-à-dire, premièrement, vous le prenez en tant que ancien Premier ministre, vous le prenez en tant que ancien ministre des Finances, vous le prenez en tant que sénateur aujourd'hui. La Cour constitutionnelle ne peut pas répondre des actes qu'il a commis en tant que ancien Premier ministre. Alors si vous revenez sur cette disposition là, vous allez vous rendre compte que Matata Mponyo, à ces jours, il peut être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Alors ici, on se pose la question de savoir, puisque la Cour constitutionnelle s'étant déjà prononcée, il va certainement évoquer le fait de l'article 68 qui dit que 168 plutôt qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l'objet d'aucune opposition. Évidemment, puisque ici, il a été évoqué le fait que Matata Mponyo ne puisse en aucun cas être opposé à la décision qui a été prise à son égard. Alors, je reviens à vous, Manix Yenda, toujours dans la même logique, où en sommes-nous maintenant? En quoi est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous êtes gêné du fait que M. Matata a maintenant un juge, je vais dire, légal, qui est la Cour de cassation? Ou vous pensez que c'est, encore une fois, de l'acharnement, puisque l'affaire avait déjà été close au niveau de la Cour constitutionnelle, au moins de façon claire, où se situe le problème maintenant? D'abord, Christian Bossembe, il y a un accent de précision qu'il faudrait placer sur ce débat. Allez-y. Par rapport à M. Matata devant la justice. D'abord, la première chose qu'il faudrait noter, M. Matata n'est pas le bénéficiaire d'un principe de la non-imputabilité à la responsabilité pénale, qui du reste est beaucoup plus bénéficiaire aux démons, aux faibles d'esprit, aux aliénés mentaux et aux enfants mineurs. Et donc Matata, du point de vue de la responsabilité pénale, il peut bien répondre sa responsabilité, surtout pour de faits qui lui sont reprochés. Ça, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, j'ai entendu qu'on a parlé de la fraude ici, la fraude par rapport au voyage de Matata. J'apprends que le séjour de Matata a été prédéfini en termes de 5 jours. Et du moment où il ne respecterait pas les 5 jours comme séjour prédéfini, je ne sais pas dans quel document, lu par mon frère Richard Pinda, et que cela serait une sorte de fraude. Je ne sais pas si on parle de quoi.
Troisièmement, mon frère a tenté d'ailleurs, il a scruté cette réalité juridique autour même de l'article 164 qui constitue même le point épineux de ce débat parce qu'on vient de là, le débat autour de la Cour constitutionnelle, la saisine de la Cour constitutionnelle au point d'en arriver à son déclinatoire de compétences. Oui, il est vrai. Le législateur suprême, le constituant, le pouvoir constituant originaire, lorsqu'il élabore certaines dispositions de la Constitution, au-delà de textes, il faudrait pour nous, lecteurs de la Constitution, que nous ayons quand même une certaine latitude et aptitude de comprendre l'esprit et même l'âme de la Constitution. Dans cet article 164, mon frère, le législateur suprême avait d'abord la première mission de protéger la sacralité des institutions. Autant pour l'institution président de la République et pareil pour le Premier ministre, parce que le président de la République n'a comme colistier pour des questions de responsabilité pénale le président de la République. Et d'ailleurs, et pour ça, les législateurs suprêmes a déterminé une procédure précise pour poursuivre un président de la République et un Premier ministre. Et je crois la Constitution est très claire. On parle même de la convocation du Congrès qui doit se réunir pour effectivement poursuivre le président de la République ou encore le Premier ministre. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que dans le cas de Matata, il y avait deux dossiers. D'abord, le premier dossier, c'était le dossier Zaïrianisation pour lequel la levée des immunités a été faite. Mais la justice congolaise a profité de cet opportunisme politique afin de justement procéder par la poursuite de M. Matata au lieu de respecter la procédure telle qu'est déterminée par la Constitution. C'est en cela qu'il n'y a jamais eu le Congrès pour respecter ne serait-ce que le prescrit de la Constitution. Et la Constitution poursuit en disant « Lorsque le Premier ministre ou président de la République, selon le cas, est condamné, ces derniers seraient d'office déchus de sa fonction. » C'est en cela que l'on comprend effectivement le but pour lequel le pouvoir constituant originaire a prévu cette disposition, c'est justement pour protéger la sacralité des institutions. Et ici, le pouvoir constituant originaire fait allusion à un Premier ministre et président de la République en exercice. Et je crois que le fait que je viens d'ébrandir sont le fait le plus patent pour justifier effectivement cette procédure telle que voulue par le pouvoir constituant originaire. Mais que faites-vous de sa rédévabilité? Il a évoqué la question de la rédévabilité est un principe, je dirais même inéluctable. C'est un principe de base pour la gestion de la chose publique de l'État. La rédévabilité ne se fait pas seulement au niveau de la justice. Même du point de vue de la communication, vous devez justifier votre gestion en tant que détenteur du pouvoir, détenteur d'une responsabilité publique. Et vous êtes tenu, effectivement, à cette exigence de la rédévabilité. La rédévabilité ne se justifie pas seulement devant la justice. Aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de gérer le pouvoir. Il a ses devoirs de rédévabilité. M. Patrick Mouya, comme patron de la communication, qui doit traduire toutes les réalités en termes de gestion de la chose publique de l'État par l'action du gouvernement, il doit le justifier à travers des méthodes de communication, ce qui résulte effectivement de cette exigence de la rédévabilité. Et donc la rédévabilité ne se fait pas seulement au niveau de la justice. Et même pour la justice, eh ben, M. Matata reste indélébilement attaché à ses principes de rédévabilité. On parle de Bukanga Lonzo, parce que le dossier même de fond, c'est celui-là, les dossiers Bukanga Lonzo. Il est vrai que la justice n'a pas respecté les procédures. Il est vrai les faits autour de l'acharnement politique et du forcing judiciaire, ces faits-là sont patents. Mais en parlant même de Bukanga Lonzo, parce que sur le dossier Bukanga Lonzo, le dossier vient quand même très loin. C'est l'IGF qui en a constitué les dossiers. Même au niveau de l'IGF, il y a eu des non-respects, ne serait-ce que des procédures, des technicités des finances publiques, parce que l'IGF, comme expert technique en matière de finances publiques dans sa mission de contrôle, d'audit et de vérification de finances publiques, lorsque l'IGF veut établir un rapport à soumettre devant le parquet pour la poursuite, pour l'instruction, l'IGF devra d'abord procéder par ce qu'on appelle la confrontation d'expertise avec la personne que l'on reproche pour se rendre compte si effectivement les faits tels que reprochés à M. Matata paraissent aussi évidente, c'est que l'IGF n'a pas fait. Parce que dans le dossier même de l'IGF... Pourtant, l'IGF a été très clair sur la question. Dans le dossier de l'IGF, l'IGF fait mention
d'un détournement de 287 millions de dollars. Quid alors ? Ça, c'est même ma question, et cette question relève d'une exigence d'orthodoxie et du raisonnement juridique. Quid alors d'un montant global alloué pour le projet Bukangalonzo dans sa totalité ? Parce que si le montant, déjà que le montant dans le rapport tel que présenté par Matata lors de son plaidoyer devant le Sénat, lorsqu'il s'est justifié par rapport à cette série d'acharnements, M. Matata a parlé, et d'ailleurs je crois que même Grobler, lorsque vous l'avez reçu sur votre plateau Congo Buzz, et heureusement que les archives sont encore là, M. Grobler a parlé de 285 millions de dollars. Donc ce qui voudrait dire, dans la logique de l'IGF, de M. Alinguete, toute la somme destinée pour exécuter le projet Bukangalonzo a été détournée pour de fins connues. Non, mais c'est pas ça. Ça, c'est de un. De deux. Ouais. Ben, c'est vraiment pas totalement. Vous savez que lorsque nous sommes dans un, et déjà même, vous avez cet élément-là dans votre... Oui, je l'ai reçu, donc... D'ailleurs... Vous avez épuisé votre temps de parole. S'il vous plaît, je finis peut-être par là. Terminé. Je reviendrai pour expliquer même la finalité du projet Bukangalonzo. Parce que lorsqu'on est dans un projet de type agricole, la finalité, c'est la consommation. Vous et moi, nous savons qu'ici, à Kinshasa, qu'il y a eu de points de vente du maïs... Boucan, non, il ne faut pas rigoler. Non, mais pas à la hauteur. Non, pas à la hauteur. S'il vous plaît. Pas à la hauteur de ce qui est du fond. Non, mais pas à la hauteur des fonds, pardon. S'il vous plaît, il ne faut pas créer des interférences dans un débat aussi clair. Non, mais pas je dis, la production qu'il y a eu, au point d'être distribuée, commercialisée, et même au point d'être consommée par la population, parce que ici, nous avions vu de points de vente à Matete, à Lupen, à Tchangou, au rond-point Gaba et ainsi de suite. Cela voudrait tout simplement dire que dans la première phase de Bukangalonzo, le projet avait respecté la chaîne de production. Parce que dans la chaîne de production, je l'ai dit tantôt, il y a la production, il y a la distribution, il y a la commercialisation et enfin, il y a la consommation. C'est même ça, la finalité d'un projet agricole. Il faudrait maintenant aller dans le fond du dossier pour se rendre compte, en termes de tonnage, qu'est-ce qui a été réservé pour la ville-province de Kinshasa, surtout que la ville-province de Kinshasa est un grand bastion démographique de la République démocratique du Congo avec une démographie de plus de 17 millions de Congolais. Et nous, nous avons réservé un tonnage précis par rapport à cela. Et d'ailleurs, si même vous essayez de scruter à l'époque d'ailleurs, ces modèles de l'économie sociale du marché, vous allez vous rendre compte que le fait que le prix de maïs de Bukangalonzo était à un prix tellement dérisoire, cela avait fait affecter la concurrence dans le marché. Très bien, et donc, cela a permis aux Congolais de profiter justement de se procurer de ce projet Bukangalonzo au niveau de la consommation. Et nous tous, en tant que Congolais, nous l'avons consommé. Vous et donc, lorsque nous voulons établir les responsabilités, il faudrait que l'échelle des responsabilités soit bien établie. On est bien d'accord. Mais moi, mesdames et messieurs, j'ai l'avantage d'avoir posé la question à tous ces acteurs-là. J'ai posé la question, j'ai interviewé, fait toute une émission avec M. Grobler, je crois. J'ai participé à la conférence de M. Matata, j'ai posé des questions comme ça. Et j'ai eu à plusieurs moments posé des questions à M. Gilles Alinguete. Donc tout ce que je connais en réalité sur la question, je vous le donnerai dans un autre cadre. Mais maintenant là, avec vous, Maître Richard, rencontrer Manique dans ses moyens. Et on peut poursuivre ce débat pour terminer, prendre un deuxième sujet. Je voudrais ici que nous... Vous l'avez certainement entendu. Je l'ai religieusement entendu. Okay. Je voudrais que nous puissions rester beaucoup plus sur la forme. D'accord. On est en train d'embrouiller pour dire tout à l'heure que les maïs ont été consommés, ainsi de suite, tout ça. Ces stylos, je l'ai acheté à 5 000 francs congolais. Ok. Lorsqu'on me le vend, ou on vient vers moi avec une facture de 100 dollars, okay, je suis en droit de me poser la question de savoir comment pareil stylo, on peut l'avoir acheté à 100 dollars. En fait, c'est qu'il y a, nous avons vu le maïs, mais est-ce que le travail qui a été effectué ou est fait exécuter par Matata Ampogno devait faire 200 millions de dollars? C'est ça la question que nous nous posons. C'est ça en fait l'objet même de la redevabilité dont Matata devrait en répondre. Nous avons vu le maïs, moi personnellement je les ai consommés, mais cependant nous devons savoir, ok, s'il y fallut plutôt, j'allais dire, nécessairement que cela coûte 200 millions de dollars. Je vous prends encore un autre cas. Vous prenez Crown Tower, l'immeuble qui est construit sur Batetela. Cet immeuble a coûté 10 millions de dollars. Mais lorsque vous revenez sur l'immeuble intelligent, vous vous rendez compte que cet immeuble intelligent a coûté 42 millions de dollars. Vous vous posez la question de savoir, on sent que l'immeuble,
Crown Tower est beaucoup plus solide, beaucoup plus efficace, parce que l'immeuble où j'ai travaillé d'ailleurs à un moment donné, l'immeuble du gouvernement ainsi dessous, tout ça, a des fissures. Donc vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait que cet immeuble-là coûte réellement ces coûts-là. C'est dans ces cas-là que nous sommes ici actuellement, parce que ça coûtait énormément cher et qu'il y a eu des surfacturations. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la somme due, c'est-à-dire qu'après enquête, on a évalué, c'est ainsi que vous allez vous rendre compte. Au lieu de parler de 285 millions de dollars, on a parlé de 200 millions de dollars. Je voudrais ici vous rappeler un principe de droit. Vous savez, les immunités ne portent pas sur la personne, ou plutôt ne portent pas sur les faits infractionnels. Lorsqu'on lève les immunités sont liées au mandat. C'est-à-dire que l'individu qui exerce un mandat, c'est lui qui porte les immunités. Lorsqu'on a levé, c'est-à-dire que la personne n'est plus à l'abri de quoi que ce soit. Donc vous voulez nous dire que nous sommes en pleine audience, si vous acceptez, c'est que vous êtes en contradiction avec vous-même, parce que vous avez prétendu, puisqu'il a été, les immunités ont été levées dans la zaïrianisation, en principe, on devait encore le retourner au Parlement pour recouvrer éventuellement les immunités et la traire devant le cours des tribunaux. Non, pas du tout. C'est-à-dire que lorsqu'il n'est plus à l'abri de poursuite, il n'a plus les immunités, il peut être poursuivi pour tout fait. Prenons que nous sommes au cours d'audience et que M. Matata commet un délit d'audience. C'est-à-dire qu'on doit suspendre l'audience pour le retourner devant l'Assemblée nationale ou le Sénat pour qu'on lève encore les immunités. Ça serait contradictoire et ça serait une perte de temps inutilement. Tout à fait. La ratio legis sur cette question-là voudrait que la personne qui est couverte des immunités et que ces immunités ne portent pas sur le fait, mais sur la qualité de l'individu et les mandats qui l'accompagnent. Voilà. Donc, je voudrais encore revenir un tout petit peu en arrière, parce que, je vous le dis, hein, c'est une première cette émission. Lorsqu'on est sur l'Internet, on voit le nombre de gens qui suivent. On est un peu intimidé. On s'est dit que toutes ces personnes-là qui vous regardent, vous risquerez de commettre un faux pas et éventuellement, ça pourrait être exploité d'une certaine manière. Je voudrais m'apesantir beaucoup plus sur cette question de la compétence de la Cour constitutionnelle. L'article 164 dit ceci: la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger. Ici, nous devons faire la part de choses, nous devons poser les prémices. Il faut considérer l'individu Matata Ponyo sous trois casquettes, c'est-à-dire qu'il est un ancien Premier ministre, il est un Premier ministre en fonction et il est un Premier ministre en fonction avec une incise, une locution en fonction au moment de la commission de l'infraction. Je vais plus en venir, je veux m'attarder beaucoup plus sur ça. Aujourd'hui, les statuts actuels de Matata Ponyo est ancien Premier ministre. La question que nous devrions nous poser est celle de savoir, est-ce la Constitution qu'on reconnaît, la compétence à une juridiction pour un ancien Premier ministre? Non. Ok. Mais il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit qu'on ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre. Lorsque vous lisez, vous voyez la logique du juge Kalouba, vous allez comprendre qu'il est dans la logique d'un ancien Premier ministre. Revenons maintenant sur un Premier ministre en fonction. Est-ce que Matata Ponyo est aujourd'hui en fonction pour être poursuivi devant la Cour constitutionnelle? Pas du tout. Maintenant, j'en viens sur ce sur quoi je vais m'attarder davantage. Monsieur Matata Ponyo, ancien Premier ministre, au moment de la commission de l'infraction. Vous savez, le professeur Nyabirungu Mwenesona, qui représente aujourd'hui les intérêts de Matata Ponyo, dans son ouvrage traité de droit pénal général, il dit ceci sur la question de la cristallisation de l'infraction. Il dit que lorsqu'il y a cristallisation, l'on retient d'une part la qualité de la personne qui a commis l'infraction et ainsi les faits infractionnels. Lorsqu'il faille le traduire devant le cours des tribunaux, on va faire une déportation, fiction juridique, c'est-à-dire qu'on va se déporter au moment de la commission de l'infraction, on fait comme s'il était en fonction. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là. Alors, puisqu'on y est, on ne dit pas de lui Matata Ponyo, ancien Premier ministre. On ne dit pas non plus de lui Matata Ponyo, Premier ministre en fonction. Mais on dit de lui Matata Ponyo, Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. C'est-à-dire que nous sommes en ces moments-là et on le traduit en tant que tel. Pourquoi? Parce que les faits ont été cristallisés d'une part et aussi la qualité du sujet.
Et par voie de conséquence, la Cour constitutionnelle peut se déclarer compétente éventuellement pour examiner ces faits. Nous avons un problème parce que nous avons un jugement qui a été rendu, okay, qui dit que l'on ne peut pas poursuivre. Il y a encore, ça c'est encore une incise sur laquelle il est revenu, parce que l'on évoque ici l'article 168 qui dit « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. » Je veux m'arrêter juste là. Très souvent, on a comme l'impression que c'est un complot du régime monté par Félix Tshisekedi, avec le président du Sénat, pour éventuellement garder Matata Ampogno dans cette situation-là, c'est-à-dire d'être poursuivi. Ici, la Cour ne dit aucunement, l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne dit pas réintégrer-les en tant que sénateur, recouvrer-les de ses immunités. La Cour dit qu'on ne peut s'y opposer. Mais on s'y oppose quoi à la décision de ne pas être poursuivi en tant qu'ancien Premier ministre? Je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'ici. Et par voie de conséquence, il ne faut pas donner l'impression que ce Bahati, qui serait hanté de monter une situation pour éventuellement retenir Matata Ampogno dans cette situation, tout simplement parce que lorsque vous évoquez encore un autre principe de droit, celui de parallélisme de forme et de procédure, vous allez vous rendre compte d'une chose, que Matata Ampogno n'est pas allé devant la Cour constitutionnelle par le fait de lui-même. Il n'y est pas non plus allé par le fait de la Cour, mais plutôt par le fait du parquet. C'est-à-dire que c'est le parquet qui a estimé qu'on devait lever les immunités de Matata Ampogno et de la traire devant son juge naturel. Et par voie de conséquence, comme je l'ai dit, le parallélisme de forme et de procédure et aussi la théorie de l'acte contraire voudrait que les parquets près la Cour constitutionnelle estiment que Matata Ampogno il n'est plus redevable vis-à-vis de l'État, il n'est plus redevable vis-à-vis du parquet qui les poursuit, il informe le président du Sénat et éventuellement le président du Sénat permet de recouvrir ses immunités. Alors, et éventuellement on peut cesser de le poursuivre. Très bien. Alors là, on a longuement évolué. Je vous ai fait gagner les 2 minutes supplémentaires puisque Manix était en avance. Alors, on va terminer la question au Matata Ampogno pour parler de l'insécurité, enfin, je veux dire de la sécurité. Manix, la question finale, est-ce que Matata est-elle intouchable? Christian, je réitère mon propos, Matata n'est pas le bénéficiaire d'un principe de la non-imputabilité de la responsabilité pénale. Je crois que sur cette question, je suis tellement clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Il ne faudrait pas créer des raccordements frauduleux. J'ai entendu beaucoup de choses ici. Moi, j'ai entendu aussi qu'il vous ne reste que 3 minutes, Monix. Je voudrais dire à mon co-débatteur, lorsqu'on parle des humilités, la levée des humilités parlementaires, la levée des immunités parlementaires se fait sur base d'un objet précis pour lequel cette levée-là des immunités est effective. Or, dans le cas sous-examen, l'objet pour lequel l'on a sollicité la levée des immunités de M. Matata, c'était sur un autre dossier qui n'avait rien à voir avec le dossier Bukangalonzo. Je crois que sur cette question, on est très clair. Et deuxièmement, lorsque l'on veut poursuivre Monsieur Matata à la Cour constitutionnelle, il faudrait quand même à la rigueur respecter la procédure. J'ai été très étonné parce que, et cela c'est justifié par le fait que vous avez tellement fait un très grand raccourci, et mon co-débatteur dit qu'au lieu de passer du temps, il faudrait que le procureur général près la Cour constitutionnelle s'en saisisse et poursuive directement Monsieur Matata. Mais non, ce n'est même pas une question de passer du temps, mon frère. C'est une question de respecter le prescrit de la Constitution. Encore que lui-même, il a reconnu que dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui atteste effectivement la poursuite d'un premier ministre. Il l'a reconnu. Mais encore chose grave, c'est là où il y a une contradiction nauséabonde, lorsqu'il admet le fait pour la Cour constitutionnelle de condamner M. Matata dans son statut d'un ancien Premier ministre, alors qu'il oublie l'évangile de la Cour constitutionnelle, c'est la Constitution. La Cour ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Et donc, il faudrait éviter ce genre d'amalgame. Alors, deuxième chose, il a parlé de la cristallisation de faits infractionnels, etc. Écoutez, mon frère,
Je pense que notre législation est quand même très claire sur un certain nombre de questions. Si on cela même qu'on évoquerait la question de privilège des juridictions, qui voudrait que chaque organe de l'État, selon qu'il s'agit de son degré de responsabilité de gérer la chose publique de l'État, ait son juge naturel, autrement dit son juge légal. Ici, ma question de curiosité est celle de savoir. Vous poursuivez qui en réalité? Vous poursuivez M. Matata comme un citoyen lambda, comme tout le monde, ou vous poursuivez M. Matata comme Premier ministre en exercice, ou encore vous poursuivez M. Matata comme un ancien Premier ministre. Et déjà que vous avez reconnu qu'il n'y a aucune base juridique, surtout pas au niveau de la Constitution, qui constitue à procéder à des poursuites contre un ancien Premier ministre. Alors, comment ça j'ai... Non, mais il a dit, non, il a reconnu le fait que dans la Constitution... Il ne m'avait pas bien saisi. Je vais y revenir. Mais attendez, sinon ce serait grave quand même. Hein. Comment un ancien Premier ministre ne peut-il pas être poursuivi? Non, mais lui, il a dit que dans la Constitution, et je crois que les téléspectateurs qui nous suivent nous ont entendus, il a dit que dans la Constitution, il est vrai qu'il n'y a aucune disposition qui atteste l'effectivité de la poursuite d'un ancien Premier ministre. C'est en cela même qu'il a évoqué le principe de la cristallisation de faits infractionnels pour faire justement cette différence de statut. Matata comme Premier ministre en exercice, Matata comme ancien Premier ministre ayant avoir commis des faits infractionnels, il est arrivé à ces niveaux parce qu'il a lui-même reconnu qu'il n'y a aucune base juridique pour poursuivre un ancien Premier ministre. Alors, au niveau de la Cour de cassation, je crois que le dossier Matata, au départ, a été transmis au niveau de la Cour de cassation. Et la Cour, et d'ailleurs, si même vous avez lu le différent réquisitoire du procureur général de la République, autant près la Cour de cassation, pareil pour près la Cour constitutionnelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu assez de contradictoires. Parce que le procureur général, d'abord l'IGF en soi, avait saisi les procureurs généraux près la Cour de cassation, au début, avant même que le dossier ne soit transmis au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour de cassation, il a signifie effectivement que nous ne pouvons pas juger M. Matata, au regard bien évidemment de ce principe des privilèges de juridiction, M. Matata en sa qualité de sénateur pour des infractions qu'il a commises pendant qu'il était Premier ministre. Et là, il y a le manque de compétences matérielles de la Cour. Merci. Et aujourd'hui, après les déclinatoires de compétences de la Cour constitutionnelle, le dossier revient encore vers la Cour de cassation alors que cette Cour s'était déjà déclarée incompétente sur cette question. C'est en cela qu'on parle justement d'un acharnement politique, d'un forcing judiciaire. Et je finis peut-être par cet élément, parce qu'il a cité le président du Sénat, M. Bahati, dans une logique de lui donner un bouet de sauvetage pour justifier sa non-implication sur le dossier Matata. Mais attention, nous avons vu et entendu la réaction de M. Bahati, le représentant d'une institution aussi symbolique comme le Sénat. Il a dit, en pleine plénière, que l'arrêt rendu par le juge de la Cour constitutionnelle concernant les dossiers Matata, cet arrêt ne nous concerne pas. Mais justement, mais il a expliqué qu'il ne le concernait pas parce que l'initiative ne venait pas du Sénat, l'initiative venait du parquet, donc c'était au parquet de dire bon, on abandonne. Mais vous venez de lire tout à l'heure la teneur de l'article 168. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez le lire? Non, je vais y revenir, allez-y. Parce que dans cet article 168 de la Constitution, les effets d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle est exécutoire à l'égard non seulement de tous, non seulement de particuliers, non seulement de militaires tout comme civils, mais aussi à l'égard de toutes les autorités publiques de l'État. C'est en cela que M. Bahati a péché par justement cette leçon de l'acharnement politique. Manix. Encore qu'il est allé plus loin en réquisant, la dextérité intellectuelle de juge. Merci Manix. On a terminé avec vous. Vous avez fait 5 minutes 45 secondes au lieu de 3 minutes. Vous avez 5 minutes pour terminer ce débat et parler de la sécurité de l'Est. Cher Manix, ne confondez pas la Cour des cassations avec les parquets. Non, pas du tout. Mais laissez-moi y aller, s'il vous plaît, parce que c'est une confusion, parce que vous dites que c'est la première fois que l'on saisisse, la Cour des cassations dans cette affaire contre Matata Mponi. Non, non. C'est parti du parquet. C'est le parquet qui a transmis à la Cour constitutionnelle. Et il ne faut pas oublier une chose ici, que le parquet est tenu par le principe d'unicité, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir commencé où l'IGF pourrait avoir envoyé ses parquets, plutôt ses dossiers, pour les triper.
et les tripés auraient déféré ces dossiers-là près la Cour constitutionnelle. C'est les cas que nous avons connus avec le dossier de Vital Kamerhe qui a été instruit près la Cour d'appel de Kinshasa Matete et par des suites a été déféré devant le tribunal des grandes instances. Les parquets est tenu par le principe de l'unicité. Je voudrais, avant d'avancer encore davantage, ici, revenir sur la question. Je l'ai dit ici de manière claire. J'ai dit que Monsieur le Président du Sénat n'est pas lié par la décision de la Cour. Pourquoi? Parce que les poursuites ne sont pas initiées par la Cour. Les poursuites sont initiées par les parquets près la Cour constitutionnelle. Les parquets près la Cour constitutionnelle sollicitent la levée des immunités. C'est-à-dire qu'il y a eu un acte administratif qui a été posé. La sollicitation de lever les immunités. Et en vertu du principe que j'ai évoqué ici, du parallélisme de formes et des procédures, ou si vous voulez bien, je vous évoque le principe de l'acte contraire, c'est-à-dire que l'autorité qui a levé les immunités, qui a sollicité la levée des immunités, doit s'estimer être convaincue de l'innocence de Mata Tamponio, ou que qu'il n'y ait plus, puisqu'il est à la recherche des infractions, estimant qu'il n'y a plus lieu de poursuite, il réinforme le président du Sénat pour lui dire « c'est fini, je n'ai plus besoin de lui, il peut recouvrer ses immunités ». Puisque cela n'ayant pas été fait, Bahati Lukwebo ne peut aller outre que de dire que cet arrêt ne les concerne pas. En disant que l'arrêt ne les concerne pas, il ne dit pas que je m'oppose à cet arrêt-là. Il reconnaît qu'un ancien premier ministre ne peut pas être poursuivi. Mais cependant, l'arrêt ne dit pas, vous avez vu nulle part où il est écrit qu'on doit recouvrer les immunités. On dit tout simplement qu'un ancien premier ministre ne peut pas être poursuivi. Je voudrais encore m'attarder sur cette question-là, Manix. Ne faites pas de raccordement frauduleux, vous sautez un aspect ou une hypothèse que j'ai émise, puisque j'en ai évoqué trois. J'ai dit ceci, qu'un ancien premier ministre ne peut pas être poursuivi, un premier ministre en fonction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mata Tamponio n'est pas en fonction, mais j'ai dit en vertu du principe, j'ai même cité ici le professeur Nyabirungu Mwenensona, j'ai dit qu'on doit faire une déportation au moment de la commission de l'infraction en vertu du principe de la cristallisation pour qu'il soit poursuivi. Il serait à ce moment-là non pas poursuivi comme un ancien premier ministre, mais cependant, il serait poursuivi en tant qu'un premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. Vous devriez vous poser la question de savoir comment cela peut être possible, je vous aurais encore répondu. Parce que ici, lorsque vous avez l'arrêt qui est rendu, on a comme l'impression qu'on ne peut plus revenir à la Cour constitutionnelle. Mais et pourtant, cet arrêt-là entre déjà en contradiction avec l'article 164. Mais que faire à ces moments-là? Mais vous savez que les arrêts rendus par une juridiction peuvent être aussi interprétés par cette juridiction-là. C'est-à-dire qu'on peut saisir à ces moments-là, par voie de requête, en interprétation de cet arrêt-là. Ainsi, la Cour serait beaucoup plus précise pour savoir est-ce que on peut le poursuivre en tant que premier ministre en fonction, il ne l'est pas, donc non. Est-ce qu'on peut le poursuivre en tant qu'ancien premier ministre, tout ça? On dirait aussi non, tout simplement pourquoi? Parce qu'aucune juridiction, aucune disposition de la Constitution ne reconnaît qu'on peut poursuivre un ancien premier ministre, mais cependant, j'insiste là-dessus pour dire que Mata Tamponio peut être poursuivi, il n'est pas à l'abri de poursuite. Oui, mais la notion des anciens, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas, non plus de juridiction qui poursuivent les anciens militaires ou qui poursuivent les anciens directeurs. Il n'y a pas des anciens dans la poursuite. C'est plutôt la qualité et les faits. Je vais aller. Non. Je vais aller par rapport. Je vais aller en me basant sur une illustration. À l'âge de 16 ans, oui, j'ai commis une infraction de viol. Ma victime à moi, arrivée à l'âge de 26 ans, me poursuit. La question est celle de savoir qui est le juge compétent. Oui. Mais le juge compétent, c'est le juge du moment de la commission de l'infraction. C'est les juges pour enfants. C'est-à-dire qu'on ne m'amène pas devant, devant les juridictions pour des personnes adultes, mais plutôt je suis devant une juridiction pour mineurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cristallisation de la qualité. On ne poursuit pas la personne adulte de 21 ans, on poursuit plutôt l'enfant de 16 ans et devant son juge naturel. C'est pratiquement la même situation avec Mata Tamponio. C'est cette fiction-là du droit qui voudrait que l'on puisse poursuivre Mata Tamponio. J'insiste sur cette locution. Premier ministre, au moment de la commission de l'infraction, l'architecture du droit, la fiction du droit voudrait que l'on puisse faire une déportation. Que l'on vienne au moment de la commission de l'infraction, au moment et la qualité qu'il avait,
et l'exercice de ce qu'il avait. Très bien. Voudrais ici revenir, puisque ça encore c'est aberrant, puisque lorsqu'on évoque... Laissez-moi, accordez-moi 30 secondes. Oui. On évoque l'article 167. On dit ceci. En cas de condamnation, les présidents de la République et les premiers ministres sont déchus de leur charge. La destitution ici, qui est une sanction administrative, qui n'est qu'une qu'une conséquence de la sanction principale. C'est-à-dire que pénalement, Matata Ampogno doit être sanctionné, ok? Mais pas nécessairement parce que l'accessoire ne pouvant pas suivre nécessairement l'accessoire, il ne peut pas à ce moment-là être déchu. Tout simplement parce que, je vous prends encore une autre illustration pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre, je suis avocat. Pendant que je pose mes actes en tant qu'avocat, okay, je bouffe l'argent d'un client. Ou carrément, je bouffe en exerçant ces fonctions-là. On m'attrait devant le cours des tribunaux. Pendant ces temps-là, je suis devant le conseil de l'ordre. Pendant ces temps-là, je suis, radié de la profession d'avocat. Est-ce que la juridiction des pairs n'est-elle pas compétente pour me poursuivre? La juridiction va m'entendre, va me poursuivre, et on ne pourra pas, on pourra me sanctionner éventuellement de pouvoir rembourser cet argent-là, ok? Mais la sanction subsidiaire, secondaire, ne pourrait pas être appliquée sur moi. Pourquoi? Parce que je suis déjà déchu de mes fonctions ou de ma qualité d'avocat. Donc c'est pour dire tout simplement que, étant donné que l'accessoire qui est ici, la destitution, n'exerce plus la fonction, la peine principale, c'est-à-dire qu'en matière pénale, il devra être poursuivi et être sanctionné de ces faits-là. Et nous pensons qu'à cet effet, le juge de la Cour constitutionnelle est éventuellement conséquent et compétent pour... Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on a terminé le premier sujet. Malheureusement, on a pris plus de temps pour parler du premier sujet. Comment vous allez faire? Parce que Manix, quand il faut parler 3 minutes, il parle 5 minutes. Maître Richard, quand il doit parler 4 minutes, il parle 6 minutes. Donc, c'est là, c'est du coup la même chose. Et puis, le deuxième et la dernière question en image. La sécurité à l'est de la République. Félix Tshisekedi, passe-t-il à côté de son mandat? C'est la question de la rédaction. De son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi avait promis aux Congolais de rétablir la paix dans la partie est du pays. Cette question constitue le cheval de bataille pour l'actuel chef de l'État, qui se bat bec et ongle pour réaliser la promesse. Il a juré qu'il ne dormira jamais en paix si ses compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri continuent d'être massacrés. Tshisekedi ne s'est jamais fatigué de le dire, il est déterminé à ramener la paix dans ce coin du pays. Face aux défis sécuritaires, il a pris des mesures qui s'imposent. Félix Tshisekedi a instauré l'état de siège qui a produit des effets positifs. Aujourd'hui, plusieurs bastions des rebelles détruits, la capacité des nuisances des ADF et d'autres groupes armés réduite, même s'il reste encore beaucoup à faire. Tshisekedi a quand même réussi son pari, il faut le dire. Face aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, c'est un Tshisekedi déterminé à mettre définitivement fin à cette aventure rwandaise qui a trop duré. Contrairement à ce que pensent certaines mauvaises langues, Tshisekedi ne passe pas à côté de son mandat. Il travaille et il est le meilleur. Il travaille pour le meilleur et l'avenir de ce pays. C'était encore une fois la rédaction de Congo Buzz. Manix, la question est simple. Tshisekedi passe-t-il à côté de son mandat dans cette crise de l'Est et de la République? D'abord, je voudrais constater que la narration de la rédaction du Congo Buzz est tellement très, très belle. C'est trop beau pour être vrai. Alors que la réalité du terrain, les vrais vécus quotidiens de Congolais sur cette question de la sécurité, nous parle d'autre chose. C'est vrai, moi je l'ai toujours dit, que le président Tshisekedi n'a comme chance et opportunité, ne serait-ce que pour sauver son mandat, d'installer la paix dans la partie est de notre pays. Parce que je suppose, même si son bilan social serait catastrophique, mais je crois que cette question qui a dérangé depuis plusieurs décennies d'ailleurs, la partie est de notre pays, le Congo, cette situation qui a créé autant de morts, des millions et des millions de Congolais morts à cause de l'insécurité à l'est du pays, si M. Tshisekedi essaye, ne serait-ce que pour son mandat, installer la paix
je crois qu'il peut avoir le privilège d'obtenir le deuxième larron lors du rendez-vous. Et vous pensez qu'il n'est pas en train de faire ça? Il n'est pas en train de travailler sur ça? Ben, il faudrait regarder l'action du président de la République. Il faudrait analyser l'action du président de la République dans pratiquement tous les volets pour effectivement mesurer l'ampleur de l'implication du gouvernement de notre pays et même du président de la République sur la question de la sécurité de l'Est. Il ne suffit pas que le président dise que je suis prêt à mourir pour l'Est du pays pour que la paix soit installée. Encore que nous savons que le président de la République est le maître des chapelets des bonnes intentions. Encore que nous savons que le président de la République est la locomotive d'un régime de procrastination. Un régime qui promet des choses qu'il ne réalise pas. Un régime qui commence des choses qu'il ne finit jamais. Le président de la République a aussi dit aux Congolais que nous allons installer les Kijé à l'est du pays. Ce qui n'a jamais été possible. Le président de la République, ça c'est un constat très malheureux d'ailleurs, on a toujours remarqué une très grande contradiction entre le vœu populaire, le vœu de la population, avec l'actionnariat du président de la République pour la gestion de la chose publique d'élite. M. Tshisekedi, lui, il vient, il dit aux Congolais, pendant que le Congolais disait tout sauf le Rwanda, tout sauf Kagame, lui dit le Rwanda, le Kagame, est un allié important dans le cadre de la sous-région. Kagame, c'est un frère qu'il faudrait pactiser avec lui. Et aujourd'hui, on se rend compte que M. Tshisekedi donne au pauvre peuple congolais raison parce que la faim nous en dit déjà plus. Je regarde le budget. Vous savez, Christian Bossembe, quand on parle de... J'ai essayé de scruter un tout petit peu certaines informations par rapport à notre armée. Il est vrai que lorsqu'on parle de l'armée congolaise ou d'une puissance militaire, il faudrait réunir un certain nombre de critères. Parmi lesquels, il y a les critères, par exemple, de l'effectif militaire, le nombre de soldats d'une armée. Et pour ça, je me suis rendu compte que notre pays occupe la cinquième place en Afrique, après l'Égypte, après l'Érythrée, après Soudan du Sud. En termes de budget ou en termes de position? Non, en termes de l'effectif. Je parle d'abord du critère effectif militaire. Parce que nous sommes cinquième après l'Égypte, après l'Érythrée, après Soudan du Sud, et puis après le Maroc. Parce que la RDC a un effectif militaire de 151 000 militaires sur toute l'étendue du territoire national. Encore qu'il faudrait ajouter la récente formation à Kitona, la promotion, je crois, à Anaconda, avec 6 000 soldats comme supplément dans l'effectif de notre armée. Et donc, déjà, sur le point de vue de l'effectif, nous avons une forte armée. Vous imaginez, le Rwanda, à peine, n'a que 33 000 soldats. En termes d'effectifs, le Congo a une armée plus forte que l'Angola en termes d'effectifs. Oui, mais la force d'une armée, ce n'est pas l'effectif. La force d'une armée, de l'effectif, c'est l'ensemblage plusieurs critères parmi lesquels l'effectif militaire. Mais l'effectif déjà pose un problème, vous le savez. Le chef de l'État l'avait si bien dit qu'il y avait un problème d'effectif dans le pays. On disait les chiffres annoncés et la réalité sur le terrain étaient deux choses différentes. C'était la manœuvre de la Kabylie qui finalement gonflait les chiffres pour prendre beaucoup plus d'argent. Et le chef de l'État l'a si bien dit. Ça, mais vous l'avez suivi, non? C'est lui le président de la République. Il me semble que le président de la République, dans son statut de commandant de forces armées de la République, récuse les bases des données relayé par un pouvoir à qui lui-même a reconnu d'avoir hérité une armée organisée. Mais quelle est la version de fait du président de la République? Est-ce que le président, en tant que commandant suprême, en tant que commandant de forces armées de la République, lui peut nous dire la donnée authentique en termes de l'effectif militaire de notre armée? Non, mais il ne faudrait pas qu'on reste dans vous le verbiage. Vous faites l'effort. Vous l'avez dit que le président a remis en cause cette base des données relayée par la Kabylie. Alors moi, je serais beaucoup plus à l'aise si le président de la République, avec son pouvoir, nous donne la vraie ou le vrai base des données. Mais c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Allez-y. C'est ce qui est en train. Bien sûr, il est en train d'être fait. Je vous rappelle que c'est un pouvoir de procrastination. Vous n'aurez jamais... Ok. L'effectif en termes de base des données, parce que M. Tshisekedi repose son pouvoir sur le privilège de continuité relayé par les actions de M. Joseph Kabila. 30 secondes. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons vu après les différentes contradictions entre l'armée congolaise et le gouvernement de notre pays, déjà même, parce que dans ce débat, au-delà de constats, je crois que ce serait quand même important aussi, en tant qu'acteur politique, de proposer des solutions pour envisager justement une paix qui viendrait par
les propositions des acteurs politiques. Alors, vous reviendrez sur les propositions à la dernière partie, quand on va finir. Parce que moi, je pense que M. Tshisekedi a tout intérêt, a tout intérêt d'engager la République dans une direction Maître de Binda, paix. Parce que nous avons besoin de la paix et nous avons besoin d'une armée forte. Merci, Manix. Il faudrait que M. Tshisekedi s'appuie sur le levier. N'épuisez pas vos propositions, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Je reviendrai sur les propositions, parce que je pense que les propositions sont plus importantes, parce que par rapport aux faits, par rapport aux réalités de terrain, je crois que la réalité demeure déplorable. Très bien. Alors, Maître Binda, rencontrer Manix dans ce moyen, l'armée aujourd'hui, J'allais dire, ma tête a pas dû me revenir comme ça, parce que je vois Manix à côté. Ça va le soir. Je voulais tout simplement dire que Manix n'est focalisé que sur Matata Ponyo, là où je l'ai vu s'étendre tranquillement. Je crois qu'il est allé aussi fouiller ça et là, et ainsi de suite. Il y est revenu. Mais lorsqu'il dit, par exemple, que nous occupons la 8e place, la cinquième place, en termes d'effectifs militaires. J'allais dire encore, Matata, je ne vous ai pas empêché de parler lorsque je ne me suis même pas permis de vous interrompre. Faites le même exercice, s'il vous plaît. Lorsque vous lisez ce qui est donné ici en 2000, vous sentez que nous sommes à la 11e place. Ouais. Bon, là, on n'est pas là. Oh là là. 2022, classement des États d'Afrique par indice de puissance militaire. 2022, voilà, nous sommes 11e avec 1040. Bon, là, n'est même pas la question. Ouais, nous sommes 11e. Ça, c'est le critère de l'effectif. Oh là là. Global, Manix. Ah, je ne parle pas du critère global. Mais laisse-le continuer. Par rapport au critère global, l'armée congolaise n'occupe pas la 5e place en Afrique. Manix, regarde. S'il doit vous interrompre à chaque mot qu'il entend, on n'aura pas une émission. Laisse-le continuer et puis à la fin, on va discuter. D'accord, merci. Non, mais qu'il ait quand même la grande responsabilité de traduire scrupuleusement ce que je viens de vous dire. Ne vous en faites pas. Vous avez votre téléphone à côté, contredisez-moi avec des faits. C'est-à-dire, d'où tirez-vous la 5e position de la République démocratique du Congo? En termes d'effectivité. Non, allez-y. Alors, c'est où alors? On est sur l'Internet. C'est où? Je vous conseille mes 30 secondes. Vas-y, on peut voir. On va prendre beaucoup de temps. Non, allez-y. C'est pas bon, alors, on va entendre. Prends le temps de parler, puis moi, je j'en ok, ok, très bien. J'en viens encore sur une autre question. Okay. En fait, des confusions dont vous faites preuve vous montrent. Lorsque vous dites que le président de la République doit installer la paix, non. La paix, on ne l'installe pas dans la réalité qui est la nôtre. C'est-à-dire que le président de la République doit imposer la paix. C'est ce qui s'est fait avec le FRTC. C'est d'ailleurs la première option qui a été levée sur la question du décrétement d'un état de siège. C'est ainsi que l'on continue, et on continue d'imposer la paix en recourant même aux forces régionales pour éventuellement en arriver à ça. Manix, vous savez, lorsqu'il s'agit de la sécurité à l'est de la République, Tshisekedi est extraordinaire. Je voudrais ici évoquer la réalité de ce qui en est, puisque vous vous contentez juste d'une simple réalité, et aujourd'hui nous ne devrions pas en principe évoquer cette question-là si Matata Ponyo avait fait son travail conséquemment. Ici, je voudrais sous-entendre, s'il avait permis à ce que nous puissions avoir une armée conséquente, c'est-à-dire bien équipée, en vertu du principe de la continuité de l'État, nous nous serions jouis d'une armée qui est à la hauteur de ce que nous nous entendons. Je ne dis pas qu'à ce jour, l'État congolais est faible, mais je dis tout simplement, prenez son téléphone. Je voudrais tout simplement dire que nous essayons de faire ce que nous pouvons avec les réalités sur terrain. Je vous prends un fait. La réalité de ce qui se passe à l'est de la République ne se limite pas qu'à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'à travers les différents discours qui sont tenus par déclarations ou sorties médiatiques qui sont tenues par la communauté internationale, vous sous-entendez qu'il y a un rôle prépondérant qu'il joue dans cette affaire. Je vous prends un cas pratique. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, aux yeux du monde, il est déclaré, il est démontré, tous ceux qui font une sortie médiatique déclarent que nous sommes agressés. Mais ils ne le disent pas tel quel. Et si nous sommes agressés, il faille pour eux de prendre une responsabilité, de condamner. Et lorsqu'on condamne, on prend des sanctions. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que nous avons des alliés, par exemple, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez la France avec vous, mais ceux-là ne bougent pas. Ils ne bougent pas pourquoi? Parce qu'ils sont, comme on dit, entre les marteaux et l'encline. Pour qu'on en arrive à cette situation ambiguë-là, qu'il y fallut que nous ayons une diplomatie suffisamment agissante pour qu'on en arrive à ce résultat-là. Pourquoi je le dis? D'une part, vous avez le Rwanda qui détient les informations, les éléments de preuve de la complicité de la communauté internationale, j'insiste, sur le massacre, sur le génocide des Tutsis, partant du fait qu'ils l'ont accompagné. C'est-à-dire que lorsqu'on a abattu l'avion d'Abiarimana, par exemple, lorsqu'on a abattu la... Il le lira, il n'y a pas de souci. Il va le lire. Et il va le lire.
Non, vous en faites pas, Manix. Non, il faut le lire. On va le lire, mais je, comme je vous ai dit, en fait, si vous permettez, votre article, Manix, parle de l'effectif. Effectivement, justement. Dans, excusez-moi, s'il vous plaît. Dans cet article, on parle de l'armée serait, le Congolais serait la cinquième. Mais je vous ai dit, c'est sur base des articles faussés. C'est sur base des chiffres faussés. Mais quel est le chiffre vrai? Mais c'est qu'on dit que le travail qui est en train d'être fait maintenant... Et c'est ça fait... Mais Manix, vous n'allez pas répertorier l'armée comme si on répertoriait les agents publics de l'État. Ok, on attendra. Oh, c'est pas possible. On attendra. Et aussi, une incise. Heureusement que vous avez quand même... Une incise par rapport à ça. Le président de la République a dit que nous avions une armée infiltrée. Lorsqu'il l'a dit, qui mettait à sa disposition ces informations? N'est-ce pas là les mêmes personnes qui infiltraient? Les personnes qui ont été accompagnées aussi, puisqu'il faut se le dire. Lorsqu'on a l'impression de dire que nous avons une armée infiltrée, nous avons l'impression que c'est de la blague. Et pourtant, cet aspect des choses devrait être réglé par le Premier ministre Matata Ponyo, puisque les militaires font partie de la fonction publique. Qui n'ont jamais été bancarisés à ce moment-là. À l'époque, ils n'étaient pas bancarisés. Ils pouvaient régler cette question. Ils l'ont été après. Après lui. Je voudrais ici revenir sur ce que je disais. Donc il y a une implication de la communauté internationale du fait de leur responsabilité dans les massacres au Rwanda, dans le génocide rwandais. Parce que nous le savons tous que cette communauté internationale a accompagné Paul Kagame et en l'accompagnant, Paul Kagame est allé outre. C'est-à-dire qu'il a même sacrifié ses tutifones, ses populations tutis pour éventuellement se prévaloir aujourd'hui d'un génocide et éventuellement s'imposer dans le Grand Lac. Mieux encore, il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, la communauté internationale est en difficulté de pouvoir dire clairement que nous sommes agressés. Lorsque vous entendez l'ambassadeur des États-Unis intervenir, il vous dit « nous constatons la présence des militaires rwandais sur le sol de la République démocratique du Congo, mais ils le savent sur le plan international, que lorsqu'il y a une présence telle quelle, c'est une agression. Mais le porte-parole de la Moscou contredit en disant qu'ils n'ont pas encore de preuves factuelles. Quel est le sérieux? Alors, lorsque vous dites qu'il n'y a pas encore de cause de preuves factuelles, oui. Mais qu'est-ce que vous me direz de deux éléments de... Mais c'est justement ce qu'on pose comme question. Non, mais écoutez, mais la question que vous devriez vous poser, celle de savoir, est-ce que la paix à l'est de la République profiterait à la MONUSCO? Mais pas du tout. Même pas au lorsque vous êtes en contact avec des officiels de la MONUSCO, ils vous disent clairement, no guerre, no business. Mais ce sont des hommes qui viennent pour Pinda, les faire de... Maître Pinda, avant de continuer, comment voulez-vous que les autres pays parlent bien de vous si déjà au niveau de l'intérieur, tous les grands leaders politiques se taisent sur la question de l'agression? Vous n'entendez pas les opposants dire clairement, mais il y en a vraiment peu qui ont le courage de le dire, mais la plupart d'entre eux ne disent absolument rien. Vous entendez encore ici, pendant qu'on est en train de parler agression, ici vous avez des gens qui font la pression pour aller aux élections. Alors comment voulez-vous être crédible à l'extérieur? Mais écoutez, mais c'est simple, c'est tout simplement parce que ces politiciens ne sont pas nationalistes, leurs intérêts sont ailleurs. Voilà. Tout simplement parce que ces politiciens, et ils visent l'échec de Tshisekedi pour éventuellement le remplacer. Mais il faut comprendre une chose, même le chef religieux. Ici, vous savez, la situation de guerre à l'Est, avec l'ampleur que ça a pris maintenant, a déjoué un plan machiavélique qui était en train d'être préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mouvements citoyens rappelés à Kinshasa, pour éventuellement être financés, et vous allez vous rendre compte que pour préparer déjà les décors, il y fallut que le Abbé Ambongo fasse une sortie médiatique pour attirer l'attention de la population vers ce qu'il entend dire l'enfer. Alors, mieux encore pour chuter, Martin Fayulu va sortir. Au lieu de rester dans la logique de la nation, puisque si une partie de la République était amputée à la République, mais ça ne sera plus le Congo. Mais il est dans la logique de la vérité des urnes pour éventuellement aller aux élections. Oui. Et pourtant, un grand acteur politique africain a dit, un politicien sérieux ne se préoccupe pas des élections, mais du sort, raison pour laquelle j'ai dit, vous posez la question de savoir si Tshisekedi passe à côté de son mandat, j'ai dit tout simplement que Tshisekedi est préoccupé pour rétablir la paix à l'est de la République, il est préoccupé pour permettre aux Congolais de pouvoir... Et cette question lui tient à cœur plus que son mandat. J'aurais souhaité... Effectivement, je vais vous démontrer encore un fait de la distraction qui est montée par nos amis de l'opposition. Oui. En principe, à ce jour, l'on devrait, à ce jour, j'insiste, nous devrions être préoccupés par d'autres questions. Nous venons de perdre une bonne partie de 650 milliards que nous devrions avoir. À l'époque de Matata Ponyo,
et de Tshisekedi, de Joseph Kabila, cette affaire serait passée sous obscur. Et aujourd'hui, de quoi il s'agit ? Vous êtes sans ignorer que le ministre des Hydrocarbures a mis en vente aux enchères 16 blocs pétroliers, okay, qui devaient nous rapporter 650 milliards de dollars. Imaginez le bon en termes du budget que nous aurions fait. À ces jours, le Greenpeace est intervenu pour dire que 9 de ces blocs-là, okay, étaient sur un domaine commun humanitaire. C'est-à-dire que l'Occident a trouvé un obstacle pour nous effréner d'avoir suffisamment assez d'argent pour équiper conséquemment notre armée, pour nous construire des hôpitaux. Et ici, l'on aurait souhaité que nos amis de l'opposition soient sur cette question-là. Très bien, merci. Qu'ensemble, nous puissions organiser des marches. Pourquoi ? Parce que c'est le sort de la nation qui serait, sur le débat. Merci, on a terminé ce débat. Manix, c'est vous qui avez la parole de la fin. Manix, vous avez vu une des vidéos, et je ne sais pas, d'abord moi j'ai suivi votre Twitch, c'était très encourageant. Vous êtes de l'opposition, mais vous avez accompagné, vous continuez même à accompagner l'armée congolaise, c'est une très bonne chose. Mais aussi Manix, que dites-vous de ce citoyen congolais qui tient des machettes cherchant les Rwandais dans les véhicules, cherchant des Rwandais par-ci par-là, et c'est une guerre maintenant contre les autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, Christian Bossembe, sur cette question de l'Est, moi je l'ai toujours dit, je n'aime pas aborder cette question sous la casquette d'un acteur politique, au format des partis politiques. Parce que je pense que le débat autour de l'armée congolaise, c'est un débat qui n'appelle pas au clivage politique, aux tendances, aux décorations politiques, pour dire voilà, la responsabilité reviendrait à l'opposition ou non, et non à ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Alors que cette opposition, nous l'avons vu, elle était sur terrain, elle a soutenu le FRDC à travers les différentes marches. Or, le parti même qui tient le pouvoir entre ses mains n'a même pas réalisé une activité politique dans ce sens-là, de soutenir le FRDC. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai, on parlera de l'armée, on parlera de comment on peut installer la paix dans notre pays. Mais attention, pour installer la paix, il y a des conséquences, il y a des logiques que nous devons respecter. Vous ne pouvez pas gagner la paix contre, disons, gagner la guerre contre le Rwanda si vous n'avez pas un budget important, si vous n'avez pas alloué de sommes d'argent importantes pour accompagner votre armée. C'est comme ça que je vous ai dit, au-delà de l'effectif comme l'un des critères pour avoir une armée puissante, il y a aussi la question du budget. Regardez le budget national tel qu'est présenté par le Premier ministre Samalou Kondé. À peine 3,95% pour l'armée, évalué en termes de 400 millions de dollars. Alors regardez les défis. Ne serait-ce que si vous prenez par exemple l'effectif des 151 000 soldats, vous prenez en termes de salaire, si nous prenons la moyenne de 200 dollars par soldat, vous allez vous rendre compte que le budget alloué pour l'armée congolaise ne peut que servir, ne serait-ce que pour le besoin salariaux. Alors quid alors de matériel, de la logistique que nous devons mettre à la disposition de notre armée pour gagner la guerre contre le Rwanda. On aurait fait ça avant, on serait très loin. Il y a assez de compartiments dans la justice de notre pays. Il y a le corps médical militaire qui existe. Il y a la justice militaire qui existe. Nous devons acheter des hélicoptères. Et tout cela, c'est grâce à un budget réel, un budget conséquent permettant à la RDC effectivement de pallier à des différents problèmes liés à l'insécurité. Et surtout que dans le programme... Je souhaiterais rebondir là-dessus. Oui, vous répondrez. Surtout que dans le programme Samalou Kondé, parmi les priorités, la question justement de l'Est, la question de la sécurité, faisait partie des grandes priorités du programme Samalou Kondé. Nous avons vu ici une commission parlementaire sécurité et défense. Lorsqu'ils ont fait le travail autour de la couverture de la période d'état des sièges, ils ont évalué un budget pour accompagner effectivement cette période d'état des sièges avec une enveloppe de 500 millions de dollars. Et le gouvernement en avait disposé à peine 33 millions de dollars. Encore que nous avons un gouvernement qui prêche des paris, une série de détournements de fonds publics de l'État alors que l'armée congolaise a besoin de l'argent. Vous avez parlé d'un groupe d'individus qui utilisent des machettes. Moi, j'ai toujours... Je crains que ce soit aussi de la manipulation. On ne sait jamais, ces gens sont tellement terribles. C'est parce que le gouvernement congolais, dans cette période, n'arrive pas à assumer ses vraies responsabilités en tant qu'un État police. Pourquoi ? Regardez même... C'est vrai, par
le vent patriotique que nous portons tous, les vêtements un peu qui avoisinent aux indices militaires. Mais attention, si on ne contrôle pas cette période, ça peut encore susciter de vagues de criminalité avec des gens qui vont se servir des tenues militaires pour créer encore de la désolation dans notre pays. J'ai toujours parlé d'un autre volet, le volet de la communication. Dans un pays sérieux et avec des gouvernements sérieux, des dirigeants sérieux, lorsque nous sommes dans une phase de crise militaire, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe d'abord les médias les plus influents du pays. Je pense que Christian Bossembe en fait partie avec son Congo Buzz. Israël Mutombo avec son Bossolona politique en fait partie. Christian Lusakweno, Top Congo et ainsi de suite. Vous regroupez d'abord le média national le plus influent du pays et vous les injectez les politiques et stratégies de communication à vulgariser pendant cette période. Cela est quand même très important pour éviter effectivement les diversions, et etc. Parce et vos propositions, Manix, aussi mais vous, ça vous fait partie du... des propositions. Ah, d'accord, très bien. Et aussi, il faudrait que... D'ailleurs, j'ai entendu par un communiqué que le gouvernement provincial de Lubumbashi, à Lubumbashi, on a envoyé 2000 militaires à l'est pour renforcer l'effectif. Ça, c'est une bonne chose. Il y a encore appris qu'ici, au niveau de la force de l'état-major général, ici à Kinshasa, on a envoyé 2 bataillons. Ça, c'est encore une bonne chose. Il faudrait multiplier des stratégies efficaces pour permettre à la RDC, justement, de gagner la guerre. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie, on ne peut pas parler des élections, on ne peut pas parler du fonctionnement normal de l'État congolais aussi longtemps que la sécurité... Les territoires congolais posent problème, alors que le territoire a toujours été considéré comme l'un des attributs importants pour parler de l'effectivité d'un État. Merci beaucoup, Manix. Merci d'être passé. Maître Mpinda, on termine avec vous. Manix, soyons quand même sérieux. Hein, lorsqu'on parle du budget de la République, il faut se renseigner, il faut aller ça et là, ainsi de suite, tout ça. J'ai l'avantage d'avoir été au ministère du budget. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas et je pense que vous allez aussi arrêter avec cette propagande, donnant l'impression que les militaires sont payés par le pourcentage du budget qui les est concerné. Pas du tout. Les militaires sont considérés dans la fourchette des fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire que quand on parle de paye des fonctionnaires de l'État, la chose est organisée telle qu'elle. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, lorsque les militaires tombent malades, lorsque les militaires doivent être enterrés, Lorsque vous avez au ministère du budget une cellule qu'on appelle charge commune, on y trouve tous les besoins y afférents. C'est-à-dire que lorsqu'on dit budget est à hauteur de tel montant, on voudrait tout simplement se référer aux besoins d'équipement, aux besoins d'armes et aux besoins des tenues militaires. Alors, non, ne nous apportez pas sur un plateau des confusions telles qu'elles. Ça ne concerne pas la globalité de la réalité de la société militaire. Ah bon. Effectivement. Je non le dis, je mets à défi qui non, que vous voulez mais vous le dites pour avoir été au ministère. Non, mais cela ne suffit pas pour alors prêcher l'évangile de la vérité ici. Ce n'est pas parce que vous étiez au ministère du budget que ce que vous dites là est vrai. Non, Manix Menou a été là quand même. Il y a quand même le bénéfice de doute. Il était là. Seulement que j'ai été au ministère du budget, mais aussi j'ai participé plus d'une fois à l'élaboration du budget. C'est-à-dire que je présume, avec beaucoup d'humilité et de modestie, que j'ai au moins une connaissance pratique de ce que vous n'avez pas. Ne passez pas à la télé pour raconter. Bon, non, c'est ça l'engagement. Mais je ne sais pas de quoi c'est faux, Manix. Non, mais c'est que vous dites là est faux. La répartition de parts budgétaires est bien définie. Nous avons une loi de finances. La part de la FRDC, de l'armée congolaise, est bien réservée. Cette part-là est évaluée en termes de 3,95%. Exactement. Mais il est d'accord. Exactement. Alors, il me faut, je vous informe que... Manix. On va faire simple. Les salaires des militaires, on le trouve dans quelle fourchette, selon vous? Dans la fourchette de la part réservée pour le budget. Manix, arrêtez de raconter, ce n'est pas vrai. Les militaires des FARDC, la police nationale, sont considérés comme étant des fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on enclenche la machine par la cellule de la paye de la fonction publique, c'est au même moment. On commence d'ailleurs avec les militaires et la police et éventuellement on poursuit avec les autres fonctionnaires. Ils sont considérés comme étant fonctionnaires de l'État et ils sont pris en charge tels quels. Quand il s'agit des questions des maladies, ils vont même au ministère du budget à la cellule de la charge commune pour éventuellement poser leurs problèmes. Des problèmes de soins d'ailleurs. Les militaires, tout ça, ils sont, lorsqu'on parle de l'organisation syndicale des militaires, on prend tout le monde.
et les médecins militaires et civils, tous ensemble, ils vont discuter au ministère de la fonction publique et au ministère de la santé. Et ils passent par le ministère du budget. Donc c'était un tout. Ne venez pas dissocier pour donner l'impression que les choses ne se passent pas comme ça. Je voudrais, excusez-moi, revenir sur cette question. Rapidement, sur cette question. Vous savez, Kagame, c'est un rusé. Il sait que pour attirer l'attention du monde, il faille monter cette mascarade qui donne l'impression de la persécution de la communauté Banyamulenge. Le président de la République l'a dit, il a anticipé d'ailleurs en son temps pour dire que les Banyamulenge étaient nos frères. C'était pour éventuellement éviter que Kagame puisse se servir de ces prétextes-là, puisqu'il s'en était déjà servi sous Kabila, éventuellement pour obtenir gain de cause. Aujourd'hui, ce qui se passe à ces jours, selon les informations que nous avons en notre possession, parce que l'on a cité l'UDPS, on a aussi cité Yokasan, pour éventuellement dire qu'il y a eu des appels à la haine. Les Banyamulenge sont nos frères. D'ailleurs, pour rire, je disais à mon épouse, si je n'étais pas encore marié à la délicieuse, fabuleuse femme que mon épouse, je me serais peut-être marié à une Banyamulenge parce que je suis sorti avec une d'elles. Donc c'est pour dire tout simplement que les Banyamulenge sont nos frères et le Rwandais, nous n'avons pas de problème avec eux. Exact. Nous avons des problèmes avec Kagame qui nous convoite et qui voudrait avoir une portion de notre territoire. Et sur cette question-là, je pense que tous les Congolais devaient être unis. Et c'est que je demanderai à la communauté de nos frères Banyamulenge de faire aussi des déclarations allant dans le sens de condamner le Rwanda. Chose qu'ils ne font pas. Merci beaucoup. Merci, Maître Pinda. Je rappelle qu'on a cité à tort Pasteur Guili, qui est mon frère. Guili n'a jamais tenu de propos incitant à la haine ou à la... non, a, comme on dit en lingala, il a l'okuta. Guili a tigala jamais qu'on a battu ma machette, battu ma boumana. Alors, merci beaucoup à vous, Manix, d'être passé. Merci vous avez aimé le débat, ça va? Oui, j'ai aimé le débat. Merci, Manix. Merci également, merci à maître. Vous. Est-ce que vous allez y repasser de temps en temps? Il y a pas, je suis à votre disposition. Très bien. À merci. Tout moment. Non, mais je voudrais beaucoup. Que sur la question du retour de Joseph oui, Kabila, d'accord, ok. On revienne sur cette question. Ok, on va prendre un rendez-vous, comme ça, vous serez avec quelqu'un d'autre, et vous serez avec les gens du FCC, d'accord? Il y a pas de comme ça, comme ils le souhaitent. Messieurs et dames, le débat est ouvert. Vous voulez, vous avez une question, vous avez une idée sur la question du retour de Kabila, ou pas, le plateau est ouvert. On a besoin de deux personnes encore. Puisqu'on a déjà deux personnes, le plus rapide seront vite appelés. Le numéro est affiché sous le bas de l'écran. Faites-le. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC.